Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de galette de tortilla sans gluten et sans lactose, très facile à faire. Depuis que j'ai réussi cette recette, je ne les achète plus, je les fais maison. Pour les ingrédients, on aura besoin de 2 verres et demi de farine mix pain, un œuf, une cuillère à soupe de lait végétal, une cuillère à soupe d'huile, 12 centilitres d'eau tiède, une demi-cuillère à soupe de levure boulangère et une demi-cuillère à soupe de sucre roux, une demi-cuillère à café de levure chimique et du sel. Dans un bol, on va venir mettre l'eau, la levure boulangère et le sucre, l'huile, le lait végétal et l'œuf. Ensuite, on va mélanger. Après, on ajoute la farine. La levure chimique et le sel. Ensuite, on va essayer de former une boule. On aura une pâte qui sera assez dure, elle ne sera pas très très souple. Ensuite, on la court et on la laisse reposer 20 minutes. Après le temps de repos, on va former des petites boules qu'on va essayer d'agrandir et lui donner la taille qu'on veut. Moi personnellement, je leur ai donné une forme de tortilla assez moyenne. Ensuite, on va former nos tortillas. Ensuite, dans une poêle à feu doux, sans matière grasse, on va déposer la galette de tortilla. On va la laisser quelques minutes sur un côté et ensuite la retourner sur l'autre côté et la laisser encore quelques minutes. On va répéter cette action jusqu'à ce que notre tortilla soit complètement cuite. Dès que c'est cuit, on les met dans une assiette. Moi, j'ai mis du papier cuisson en dessous et ensuite, on la recouvre avec un torchon pour que ça reste moelleux. Et voilà nos galettes de tortilla. Moi, je les ai fourrées avec de l'escalope marinée et de la salade avec un peu de mayonnaise. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao !